Donc voilà, ça a été fait en 9 minutes 47, comme l'autre en fait. Finalement, il n'a pas vraiment pris plus de temps que de faire le PNG. Surprenant. Par contre, au niveau de la taille, 214 mégas ici. Alors que le 4K PNG, c'était 19 mégas. Donc il y a plein d'informations en plus dedans. On va ouvrir ça, en effet. Ça commence à devenir costaud. Il faut quand même avoir des ordinateurs qui ne sont pas démulés. Donc, vous ouvrez ça dans Photoshop et touche F, voilà. Alors, au niveau du rendu, quand on zoome, c'est pareil de chez pareil. On ne voit pas la différence. Mais, vous avez la palette des calques avec plein de choses intéressantes dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le rendu avec bruit réduit. Oui, parce que quand on fait du rendu ray tracing, on enlève toujours le bruit par filtrage après. Donc, c'est le logiciel qui l'a fait. Si vous voulez voir par curiosité l'image avec le bruit pas enlevé, ben, le calque est là. Image rendue. Voilà. Donc là, si je vais sur le bord de la boîte, je vois en effet du grain, et dans la version lissée, bah non, hein. Vous voyez la différence? Voilà, donc le calque image rendue, finalement, il ne nous sert pas vraiment, on peut le jeter, je pense, hein. Voilà, je vais le mettre à la corbeille, ça va déjà nous faire gagner de l'espace. Alors l'arrière-plan, il eût fallu l'améliorer avant par intelligence artificielle peut-être, parce que là, si on zoome, on va peut-être voir qu'il y a des pixels. Vous avez le super zoom qui aurait pu permettre de refaire de la texture convenablement là-dedans, mais c'est pas si mal que ça.